Madère est une île d'origine volcanique au milieu de l'océan Atlantique. Et les atouts de cette île, c'est la grande variété de paysages, une végétation luxuriante avec beaucoup de fleurs toute l'année, un climat également tempéré toute l'année, ce qui veut dire qu'on peut y venir à tout moment de l'année à Madère pour la visiter. Nous avons ici sur place un bureau Travel Europe avec une équipe sur place qui nous permet d'accueillir nos clients à l'arrivée à l'aéroport. On leur fait une réunion d'information pour leur présenter l'île et les différents moyens qu'ils ont à disponibilité pour pouvoir justement la découvrir. Ensuite, nous avons un suivi dans la mesure où nous faisons des permanences dans les hôtels où nous avons nos clients. Et ensuite, on organise les excursions et on leur permet de partir soit en car, puisque nous avons nos propres cars, nos propres guides, et on les invite à découvrir l'île. On va partir de 400 mètres d'altitude jusqu'à 1200 mètres d'altitude, on va voir la production des raisins. Dans nos méthodes de travail avec nos clients qui sont nos agences, nous avons différents produits que nous leur proposons, très variés, qui puissent s'adresser à une clientèle très variée. Nous avons un programme qui se fait uniquement en car. Après, nous avons un autre programme où nous avons une sortie en car, une randonnée, puisque Madère, c'est aussi le paradis des randonneurs, une sortie en 4x4, puisqu'avec cette formule, vous avez la possibilité d'aller vraiment à l'intérieur de l'île, et puis la visite de Funchal, bien entendu, et d'autres possibilités en mer à bord de différentes embarcations que nous avons pour pouvoir partir au large. Pour les personnes qui veulent plutôt voyager en indépendant, la possibilité de leur proposer une voiture de location sur place, qui peuvent prendre directement à l'aéroport et puis rayonner sur l'ensemble de l'île en changeant d'étape, ou alors avoir un seul même hôtel à Funchal et puis partir depuis Funchal, puisqu'on peut partir facilement sur l'ensemble de l'île.